Je m'appelle Annick Létourneau. Je viens de La Reine, en Abitibi-Ouest. Je suis maman de 4 beaux enfants. Je suis née à Rouyn-Noranda, puis j'ai vécu pas mal toute ma vie de jeunesse à Palmarol. Ben, dans le fond, ce que j'aimais faire quand j'étais jeune, ben, c'est chanceux, c'était jouer dehors, puis être dehors le plus souvent possible. On allait à la pêche avec la famille, faire du ski, patiner, puis faire toutes les activités extérieures possibles. Après mon secondaire 5, je me suis en allée à Montréal, vraiment downtown. Ben, quand j'étais aux études, c'est sûr, je me suis posé la question si j'allais rester là, mais je pense que vraiment avant de partir d'ici, je savais que j'allais revenir. Je suis technicienne en loisirs de formation, mais présentement entrepreneur. Ça, c'était comme une motivation pour moi de ramener cette formation-là ici puis de faire profiter les gens du coin. C'est sûr que je me suis impliquée beaucoup dans mon village. J'ai travaillé dans les écoles primaires, secondaires. On est allé demeurer en Alberta pour un an. On a vraiment vendu la maison, tout ça. On a fait un an avec les enfants, la famille, mon conjoint, lui, il se promenait un peu entre les deux. C'est sûr que c'est le fun d'être à une nouvelle place. On découvre bien des choses, puis on se le cachera pas. En Alberta, c'est très beau, les rocheuses. Oui, c'est sûr que ça m'a passé dans l'idée de rester là-bas, mais je pense qu'à la place, j'ai décidé de profiter pleinement du temps qu'on avait là-bas. C'est le fun de l'avoir vécu, mais on a aussi beaucoup de beau ici aussi. Donc, ben, qu'est-ce qui me rend fière de l'Abitibi? Ben, c'est pas compliqué, là. On a juste à le regarder. Tu sais, je veux dire, on est en temps de pandémie en ce moment. Ben, moi, je me considère hyper chanceuse d'être en Abitibi. La chaleur des gens, ça, c'est très particulier. Puis, il y a beaucoup de monde qui viennent ici pour ça, d'ailleurs. Ben, qu'est-ce que je dirais à un étudiant ou quelqu'un qui est à l'extérieur de la région? C'est sûr qu'avec une petite famille, c'est super le fun de vivre en Abitibi-Ouest parce que c'est simple. Les gens sont là pour te recevoir, ils vont bien t'accueillir, ils vont t'aider si tu as besoin d'aide. Tu sais, avec tes enfants, c'est sécuritaire. Il y a des grands espaces, tu peux faire plein d'activités durant les week-ends, les soirs de semaine. Tu finis ton chiffre à 5 heures, ben à 5h30, tu peux être chez vous en train d'aller faire du vélo, là, tu sais, c'est simple de même. Je dirais aussi que la meilleure affaire qu'ils pourraient faire, c'est de venir passer quelques jours en Abitibi-Ouest, puis d'après moi, ça sera pas long, il va comprendre qu'il faut absolument qu'il déménage chez nous. Très, très fière d'être Abitibi-Ouestienne. Non.